Hello, je suis Lil Winnie, le macareux moine. Je vais vous parler de la construction du nid chez les macareux. Si vous m'accordez juste un peu de temps, je me détends et je vous explique comment faire un bon nid. D'abord, allons rendre visite à nos voisins. C'est très important d'avoir de bonnes relations de voisinage. Pour faire un bon nid, la première chose, c'est d'avoir de bonnes griffes et un bec bien solide. Parce que le nid, il peut faire jusqu'à 1 mètre de long. Bon, c'est pas le tout, mais maintenant, il faut que je me mette au boulot. Parce que ça ne va pas se faire tout seul. Vous savez, le nid, c'est très important pour nous. Car pendant 10 semaines, nous allons vivre dans ce trou. Dans le nid, il y a une partie pour couver et aussi une niche qui servira de latrine pour le bébé. Le petit va y rester à l'abri jusqu'à ce qu'il puisse nager. Oh non, plein de fourmis, ça me gratte partout! Ouf! Allez, je me remets au travail. Oh my God, mais ce n'est pas mon nid! Ce que je suis distrait! Non, vraiment, celle-là n'est pas intéressante. Oh là là, je suis désolé, mais ça ne peut plus attendre. Ah, ici, il y a une bonne ressource avec plein de jolies brindilles. Belle est rentrée, je suis content de la retrouver. Je suis sûr qu'elle va me faire un bel œuf qui deviendra un beau pufflin. Allez, je retourne au travail. Dernière brindille, et après ce sera bien pour ton œuf. Oh, elle est belle celle-là. J'ai un problème. Pourtant je la veux, je veux qu'elle rentre. Non, ce n'est pas possible, il y a obligatoirement une solution. Maintenant, nous pouvons nous reposer et penser à l'avenir. Quand le petit sera né, nous lui ramènerons du poisson pour le nourrir. Puis, vers la mi-juillet, il va devenir un pufflin qui sera capable de nager. Alors, tout le monde va s'en aller vers le grand large jusqu'au printemps prochain. Mais ça, ce sera une autre histoire.